J'ai apporté un autre japonais traditionnel. Ça s'appelle kibidango. Kibidango. Ah, bonjour, kibidango. Ah, kibidango. Bravo, félicitations. Non, qu'est-ce que vous faites? Ah, ça va? Oui, c'est là. T'es prêt? Vas-y. C'est bon? Oui. Un, deux, trois. Vous allez bien? Très bien. Super. Je m'appelle Yuki, vous vous appelez comment? Moi c'est Laura. Laura. Camille. Mathilde, enchantée. Vous avez quel âge? Et 17 ans tous 17 les deux. Ans. Et, ouais. Et 17 ans aussi. 17 ans aussi. Oui. Ouais. Ouais. Mon but est de connecter le Japon et la France. Oui. Et maintenant je fais goûter des produits japonais en français. Alors est-ce que vous avez déjà goûté mochi? Oui, moi oui. Ouais. Oui. Oui, c'est très bon. Elle m'a fait goûter. Ah oui, c'est vrai, c'est ça qu'on avait acheté. Aujourd'hui, j'ai apporté un autre japonais traditionnel. Ça s'appelle kibidango. Kibidango. Bonjour, kibidango. Ah, kibidango. Bravo, félicitations. La signification de ce gâteau est de donner la force avant que quelque chose se produise. Il a été créé il y a 99 ans. Okay. Aussi, c'était un autre pour les militaires. Mais maintenant, c'est un autre pour les enfants. Goûter. Le goûter, oui. Okay. Oui, je te montre. J'ai peur. Vous avez peur? Je sais pas à quoi ça ressemblait. T'inquiète. Tenez. Ah, c'est pas du tout comme les packaging en France. Ouais. Ouais. C'est plus joli. Ah oui? Ouais, moi je trouve ça plus joli. Sous image, une petite histoire, comme une petite prince. Ah, oui. Ah, comme une petite prince. Okay. Ça s'appelle Momotaro. Momotaro. Oui. Presse. Tu mets ça là. Oh non. Ça s'appelle pas ça. C'est comestible. Ah, oui, ah, oui, ah, comme ça. Le texture comme le mochi. Ah, je suis pas fan. Bref, ah, bah, moi j'adore. Ah, ouais. Ouais. Moi j'aime bien. Ah, oui. Ouais, de thé. De thé à la fin, c'est un goût de thé. Ah, vous mangez en buvant ouais. De thé. Oui. Ok. Aujourd'hui, du thé. Le thé japonais. Oh, oh. Trop bon. Ouais, c'est frais, ça fait du bien. C'est frais, hein? Ah, c'est trop bon, c'est vrai. Au Japon, en été, on boit du thé vert froid. C'est trop du bien pour l'été. Toi, t'aimes bien la Mathilde. Vous étiez un peu surpris que l'emballage il y a de l'amidon. Oui, ouais. Oui, c'est du plastique. Plastique. Ouais. Au final, c'est pratique. Pour protéger de la chaleur. Ah, c'est bien ça. Alors, à la fin, est-ce que vous pouvez donner une note sur 10? 4-5 sur 10. Pas trop fan de la texture. Mm-hmm. Moi, je dirais 8 sur 10 parce que ça, j'ai bien aimé. Moi, je dis 10 sur 10. J'ai adoré. 10 sur 10. Ouais, 10 vraiment, sur 10. J'aime bien. C'est pas trop sucré, ouais. Parce que comme là, il n'y a pas de sucre. Je pense que les Français en général ne sont pas aventureux de nourriture étrangère. Ouais. Oui. Tu es à la nourriture française qui est quand même très simple, on va dire. Oui, il reste dans les basiques. Là, c'est un peu plus extravagant. Ça, ouais. Après, les jeunes, justement, ils pourraient plus être touchés par ça. Ils mangent plus de trucs variés. Quoi. D'accord. Ouais. Merci pour bien commenter. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Oui, ça va bien, merci. Qu'est-ce que vous avez acheté aujourd'hui? Oh là! Tu te débrouilles! Spy Family! Oh, Spy Family! Anya! Exactement! Est-ce que le Spy Family est populaire en France aussi? Oui, c'est très populaire. Dans les, ouais, dans les tops de popularité, même j'ai envie de dire en France. D'accord. Roman de Demon Slayer. Roman de Demon Slayer. Le spin-off, tome de Aurelia. Pareil, j'ai Spy Family.
parti sur Jujutsu. Ah, Jujutsu Kaisen. Oui. Il change un peu, il est presque à mi-chemin. Il a certains petits aspects un peu seinen. J'aime bien le côté un peu dark. Un peu moins commun. Alors, ça, c'est très japonais, à mon avis. On trouve pas ça en France d'habitude. Dans scène comme ça qu'on peut en trouver. Il y a toujours un petit truc qui traîne, genre une petite gaufrette ou un petit quelque chose à manger, quoi. D'accord. C'est rigolo. Oh, c'est trop bien. Est-ce que vous avez déjà goûté un onka japonais ou un gâteau japonais? Les mochi, c'est les plus connus. Poki aussi. Ah, poki aussi, d'accord. Ça n'est pas marqué en anglais. Non. Alors, ce gâteau s'appelle kibidango. Il a été créé il y a 99 ans. Il y a presque longtemps. Hein. Tu commences? En même temps, en même temps. Je suis sûr qu'on va s'en prendre plein de la bouche. Non, non, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est avec? Oui, c'est là. Ah, c'est comestible, hein? Ah, d'accord, okay. Oui. Oui. Bon, bah, t'es prêt? Ouais, c'est bon? Oui. Un, deux, trois. Ah, ça vient. C'est un peu ensemble de mochi. Ouais, complet. Complet. Consistant, ouais. Consistant. C'est bien frais. J'adore. Vraiment. Moi j'aime beaucoup. Ah cool, je suis très très content. Ça me plaît? C'est trop mal. Ah cool. Il y a de l'amidon. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'amidon. Je pensais que c'était un emballage. De plastique? Oui. Vous pouvez donner une note sur 10 s'il vous plaît? 8. Et moi j'aime beaucoup ça aussi. 8 aussi. 8. 8 pour les deux. Ah, 8. 8. 8 pour les deux. 8. Oh, c'est pas mal. Enfin, vous avez des questions pour les Japonais? Moi par exemple sur le Japon, j'aime beaucoup les mangas et l'histoire du Japon. Mmh. Par exemple, en général, vraiment en général, les Japonais sur les Français, qu'est-ce qu'ils aiment savoir sur la culture française? La cuisine, l'histoire, qu'est-ce qu'ils aiment bien? Je pense qu'après, mes followers écrivent sur commentaires. Oui. Vous pouvez regarder. On peut prendre votre site YouTube? Ah ok. Ouais. Ah, très bien. Okay. Bonjour à tous les followers. Et n'hésitez pas à venir en France, c'est quand même sympathique à venir voir. Très belle ville. Et donc, ouais, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est cracker japonais. Ça s'appelle senbei. 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 Ah, c'est pas ça. Non, ça, j'aime trop. Ah, bah, je préfère. Un peu plus ça, c'est vrai.